Biobrat, président du conseil départemental, et Valérie Pécresse, présidente du conseil régional d'Île-de-France. J'ai le plaisir de vous annoncer que tous les trains qui circuleront sur le RERB seront rénovés d'ici 2021. Alors ça ne suffit pas, mais c'est déjà énorme, parce que les trains rénovés, c'est les trains qui tombent moins en panne. Et une partie des pannes du RERB sont liées à la ligne, mais une partie des pannes du RERB sont liées aussi, malheureusement, à la vieillesse et au vieillissement du matériel. Donc bonne année à tous, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité, beaucoup de bonheur, et longue vie à Palaiseau. Cette liste est longue, car les cérémonies de vœux ont notamment un mérite. C'est qu'elles parviennent à réunir l'ensemble des forces vives d'un territoire, et plus largement, l'ensemble d'une population. Pour la deuxième année consécutive, nous avons fait le choix d'ouvrir nos vœux à tous les Palaisiens. Et pour la deuxième année consécutive, vous êtes très nombreux à avoir répondu présent pour partager ce moment de convivialité, et je vous en remercie. Alors, avec l'ouverture du Centre de Recherche et de Développement d'EDF, un pôle unique en Europe, avec le prolongement de la ligne de bus en site propre, la 9106, avec le lancement de nombreuses résidences étudiantes sur Saclay, 2016 a été une année importante pour le cluster, autant que pour Palaiseau. Chères Palaisiennes, chers Palaisiens, c'est peut-être là le vœu essentiel que je formule pour Palaiseau, c'est que notre ville sache rester elle-même et en même temps avancer. C'est qu'elle sache tout simplement conserver son authenticité, sa convivialité. Au nom du conseil municipal, au nom des élus qui m'entourent, et qui ne comptent ni leur temps, ni leur énergie pour répondre à vos attentes, je vous souhaite à chacune et à chacun d'entre vous une très belle année 2017. Que celle-ci vous comble au-delà de vos espérances et vous permette de mener à bien les projets qui vous tiennent à cœur. Je vous remercie.